Dans une planète lointaine au milieu de nulle part, moi, ma mère et mon clan ont essayé de survivre. Sur cette planète où le danger est légion, tout ce qui vit cherche à te tuer. Rien ne pousse. Le soleil brûle tout. Un jour, moi et ma mère, on s'est fait attaquer par un monstre. Elle s'est sacrifiée pour que je puisse survivre. Dans mon clan, on disait que la croyance en ceux qu'on appelait les dieux pouvait nous sauver. Donc on priait. On continuait à prier chaque jour. Dans l'espoir qu'un jour, ces dieux viendraient nous sauver. Nous sortir de cet enfer, cet apocalypse. Puis un jour, dans cet enfer, j'ai eu la chance d'avoir une femme et des enfants. Jusqu'au jour où, pendant un tremblement de terre, j'ai perdu ma femme enceinte et mes enfants. Juste l'un d'entre eux a survécu. Mais on n'a pas perdu espoir. On a continué à prier. Prier dans l'espoir que les dieux viennent nous aider. Dans l'espoir de trouver meilleur endroit pour survivre, avec le clan, nous décidâmes de traverser le désert. Pendant le trajet, mon fils déjà affaibli n'a pas survécu. J'ai décidé alors de l'enterrer, même si dans mon clan, c'est interdit. Même si dans ma religion, c'est interdit. Les membres de mon clan ont vu mon acte comme un blasphème, une insulte envers les dieux. Moi qui voulais juste rendre hommage à mon fils. Ils m'ont lapidé. Ils m'ont banni du clan. Je me retrouve alors aéré sur le désert. En marchant dans le désert, au bord de la mort, je me demande pourquoi j'ai passé ma vie à prier ces dieux. Où était-il quand mon père est mort, ensoleillé? Où était-il quand ma mère s'est fait tuer par des monstres? Où était-il ces dieux quand ma femme s'est fait écraser. Mes enfants sont morts. Mon dernier fils est mort. Où était-il, ces dieux? Au bord de l'agonie, j'observe dans le ciel deux personnes vêtues de noir et l'autre d'armure dorée qui se battent à mort et tombèrent pas loin de ma position. Je décide alors d'aller voir. Arrivé sur place, celui qui est habillé en noir était mort. Celui avec l'armure dorée était en train d'agoniser, d'appeler à l'aide pour que je vienne l'aider. C'était un dieu qui venait me demander de l'aide. J'ai passé ma vie pour que tu viennes m'aider, moi et ma famille. Aujourd'hui, tu viens demander de l'aide à moi. J'ai ramassé un caillou et je l'ai achevé sans sourciller. M'accaparant de leur pouvoir, j'étais devenu aussi puissant qu'eux, faisant de moi Gore, le boucher des dieux. Ils vont tous y passer.